Ah.
La conférence démarre dans 5 minutes. Je vous invite à nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Ah. Si vous voulez bien vous approcher. Merci. Ah oui.
Donc, pour ceux que je n'ai pas encore salués, il y a un écho ou... Oui. C'est pas... Vous voyez, il y a un gros écho. Ça va? C'est pour le Facebook Live, c'est ça? Oui, mais le problème, c'est sur le Facebook Live. Voilà. Bon, alors, désolé. Bon, donc, comme je l'expliquais, oui, ça a été jusqu'au 18e, le territoire du vide. Non, c'est vraiment désagréable, cet écho. Oui. Merci. Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord. Donc voilà, donc c'est un territoire très largement peuplé. Et l'économie maritime représente le deuxième secteur en Finistère, derrière l'agroalimentaire. Et ça représente plus de 40 000 emplois et plus de 50% des emplois maritimes de la Bretagne. Donc c'est vraiment un enjeu évidemment essentiel, important pour nous. Alors cette économie maritime, elle s'illustre d'abord dans le secteur de la défense. C'est le premier secteur en Finistère avec des installations à la fois dans l'armement, à la fois dans la recherche, à la fois aussi dans la marine nationale. Et puis après, nous avons des secteurs évidemment très dynamiques autour de la pêche. C'est le premier département autour de la pêche et de la pêche fraîche avec des ports qui sont très importants. Le Guilvinec étant le premier port en Finistère. Suivant que ce soit en valeur ou en tonnage, le deuxième ou le troisième de France.
et donc avec des secteurs donc traditionnels importants, et puis des filières qui sont émergentes évidemment, comme les énergies marines, comme également tout le secteur du nautisme, le secteur de la plaisance, le secteur de la construction navale. Donc on a vraiment toute la palette des secteurs qui sont liés à la mer. Et donc, je vous inviterai à la fois à l'écoute de nos différents interlocuteurs, mais aussi à la suite, à travers ce workshop, d'en savoir plus par rapport à ça. Et puis, ce qui est plus méconnu aussi, c'est que nous concentrons 70% de la recherche autour de la mer en France, avec le dernier installation en date qui est l'IFREMER à Brest, mais aussi la station évidemment marine à Roscoff. Et j'en passe. Chaque fois qu'on commence à citer quelque chose, on se retrouve à oublier certains. Mais en tout cas, voilà, on a des pôles de recherche, d'attractivité très importants, cluster algues et autres. Et donc, on se retrouve avec vraiment une économie maritime aujourd'hui très dynamique, très inscrite dans le développement de ce territoire, et avec un élément qui nous permet de présenter une palette d'activités très très importante. Voilà pour ces dimensions un peu de carte postale. Alors la mer, elle est à la fois pour nous source d'énergie, je l'ai dit, et avec des gros projets sur l'économie maritime et sur les énergies marines, à la fois également sur des logiques autour de la santé, du bien-être, de l'alimentation, à travers tout ce qui est traitement autour des algues et autour des vers marins. On est aussi sur des secteurs traditionnels autour de, pour tout ce qui est bien-être et autres, autour de la thalasso. Évidemment, nous avons 4 thalasso, avec la première historique qui est la thalasso de Roscoff, là où était créé le concept de thalasso en France. Et avec donc une belle dynamique autour de tout ce qui est autour de la santé, du bien-être, des cosmétiques également. Et puis différentes activités qui permettent d'illustrer toute la vitalité de cette économie. Donc je vais maintenant laisser la parole aux différents intervenants. Et donc, on a fait un choix qui est plus un choix par ordre alphabétique, et commencer à la fois par une présentation, d'abord par les représentants des territoires et ensuite par les entreprises qui ont bien voulu venir accompagner ces différents territoires. Et puis, comme je le disais, à la suite, vous pourrez discuter avec les uns et les autres. On a prévu des petits corners où vous pourrez demander plus d'informations, et on est à votre disposition, évidemment, pour répondre, pour vous accueillir aussi si vous souhaitez faire des voyages presse, des accueils presse sur place, ou avoir des informations complémentaires, ou avoir aussi des éléments de contenu type photo, vidéo ou autre. On a évidemment, on est là pour vous accueillir et pour vous faciliter votre séjour en Finistère. Et je terminerai par le fait que le Finistère originellement s'appelle évidemment la fin de la terre, mais pour nous, à travers l'importance de la mer, on est plutôt au centre du monde, évidemment, et c'est plutôt le début du monde. Et l'avenir du Finistère passera par cette approche de début du monde et d'arriver par la mer, plutôt que d'être toujours dans cette logique d'éloignement loin de la terre. Voilà, je vous remercie et je vais donner la parole à Nicolas Piriou, qui est le directeur de l'économie au sein de Concarneau Agglomération. Merci. Merci. Bonjour. Donc moi, je vais vous parler effectivement là de l'agglomération de Concarneau. Donc c'est un territoire qui est composé de 9 communes, 50 000 habitants sur le littoral sud du Finistère, donc en Cornouailles. C'est un territoire qui est limitrophe à celui de Quimper. C'est un territoire qui a eu un ADN effectivement maritime très développé, puisque l'activité maritime et le tourisme littoral sont évidemment des activités prédominantes chez nous, aux côtés de l'industrie agroalimentaire. On a une situation littorale évidemment privilégiée, avec non seulement des plages de sable fin,
mais aussi et surtout des pépites touristiques comme la ville close de Concarneau et nos deux musées de France, qui sont donc le musée de la pêche à Concarneau et le musée des Beaux-Arts de Pont-Aven, hein, qui représente le premier pôle muséal de Bretagne avec 150 000 visiteurs chaque année. Notre attractivité touristique repose également sur l'accueil de grandes manifestations nautiques. Je pense notamment à la Transat à G2R, la mondiale, Concarneau-Saint-Barthélemy, qui a lieu tous les deux ans. La solitaire Urgot-Le Figaro également, dont Concarneau est un port d'étape. Des manifestations culturelles et populaires avec le festival Livre et Mer, qui a lieu au mois de novembre, ou le festival des Filets Bleus, qui est bien connu aussi au mois d'août. Le secteur touristique dans notre territoire, il s'appuie évidemment sur des équipements qui ont un rayonnement important, des hôtels et des campings 4 étoiles, un centre de thalassothérapie récent puisqu'il a ouvert en 2015, une école de voile aussi qui est très fameuse, l'école de voile des Glénans, qui est la première école de voile d'Europe avec 15 000 stagiaires chaque année. On a aussi évidemment là des skippers de renom, Roland Jourdain, historiquement, et puis bientôt François Gabart, qui s'implantera sur le port de Concarneau, donc avec son maxi trimaran massif de 30 mètres de long dans le port de Concarneau. Notre économie maritime, alors elle est d'abord liée à l'agroalimentaire, évidemment, la pêche, on en a parlé, Xavier. La Cornouaille reste une place forte, effectivement, là, de la pêche fraîche, la première. On a des conserveries, trois conserveries, Courtin, Gonidec, JB Océane, mais je laisserai M. Collin vous parler de la conserverie Courtin, qui est la plus ancienne de Concarneau. On a aussi de la transformation des algues avec Globe Explore à Rospordin, qui développe effectivement ce secteur d'activité en pleine expansion et qui est régulièrement récompensé par des prix internationaux. Et puis à côté de ces industries agroalimentaires, donc on a évidemment la construction et la réparation navale, qui sont un des axes forts quand même de Concarneau, avec des entreprises emblématiques comme les chantiers Piriou, Barillec ou JFA Chantier Naval, qui sont tous trois très présentes à l'international. Et enfin, la mer à Concarneau, c'est aussi la célèbre marque au petit bonhomme jaune, je pense à Guy Cotten. Et je pense aussi aux macareux de la brasserie de Bretagne, la bière des marins. Marc-Olivier Bernard vous en parlera aussi. Et dont la Saint-Éroine, donc une de ses marques, a fait son entrée l'an dernier à l'Assemblée nationale. Donc on en est évidemment très fiers. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur Concarneau. Et je vais passer la parole du coup à M. Collin. Peu importe. Il n'y a pas de... Je vous remercie. Je voulais remercier Monsieur Piriou effectivement de nous avoir invités pour pouvoir vous présenter la conserverie Courtin dont je suis le dirigeant et l'un des propriétaires. La conserverie Courtin est la plus ancienne conserverie de poissons de Concarneau, donc qui a été créée en 1893. La spécialité de la conserverie, c'est les soupes de poissons, les tartinables. On fabrique également des plats préparés, dont le célèbre confit de noix de Saint-Jacques, dont la recette est inchangée depuis 1893. Au niveau de l'approvisionnement, la majorité de nos poissons viennent des criées de Concarneau, de Loctudy et du Guilvinec. Donc on est sur un sourcing local. Nos produits sont fabriqués sans conservateurs, sans colorants. Et on est très axé également sur le tourisme industriel, qui est quelque chose qu'on a développé depuis déjà une quinzaine d'années. Et on a ouvert l'année dernière, début 2017, nous avons ouvert notre nouveau site de production qui est en forme de bateau justement et qui a été entièrement pensé sur le tourisme industriel. Donc on a un espace de visite qui est ouvert sur la production et évidemment un magasin de vente en direct. Dans l'espace de visite, on retrace toute l'histoire de la conserverie, on travaille un peu sur l'histoire du port de Concarneau également, donc, et ça permet d'avoir cette transparence sur la production que recherchent les consommateurs de nos jours. Donc l'année dernière, on a eu 120 000 visiteurs à la conserverie, on espère que ça va continuer à augmenter. Et donc c'est vrai que l'attractivité du territoire se fait aussi sur
c'est ce tourisme industriel qui est proposé effectivement aux visiteurs et qui sont de plus en plus nombreux justement à vouloir découvrir les entreprises locales. Donc c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Je suis également propriétaire d'une autre société qui s'appelle la biscuiterie de la Pointe du Raz, dont je profite pour en parler également, qui est située sur la thématique de la mer. On est situé donc à la Pointe du Raz, qui est à l'extrémité de l'Eurasie, la dernière biscuiterie avant l'Amérique en fait. Et l'intégralité de nos produits sont fabriqués à la biscuiterie, nos biscuits sont fabriqués avec du beurre de baratte frais à 100% de la laiterie locale, donc uniquement du sourcing local également. Et sur la thématique de la mer, l'année dernière, on a décidé d'allouer 1% des ventes de nos biscuits au magasin à la SNSM pour justement apporter et aider la SNSM pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Société nationale des sauveteurs en mer, pour les aider justement dans leur travail au quotidien et apporter notre petite patte à leur travail auquel on était sensible. Voilà les deux sujets sur lesquels on est très présent. Et le tourisme industriel sur la biscuiterie de la Pointe du Raz, c'est un vrai sujet aussi, parce qu'on a 150 000 visiteurs par an depuis déjà de nombreuses années. Et donc ça joue aussi sur l'attractivité du territoire. Donc voilà. Et je vais laisser la parole à mon confrère de la Brasserie Brit. Je vous remercie. Bonjour à tous. Marc-Olivier Bernard, je suis le dirigeant de la Brasserie de Bretagne, anciennement Brasserie Brit, dont vous connaissez mieux peut-être nos marques, effectivement. Donc Brit, qui est notre marque historique, l'entreprise a eu 20 ans l'an dernier, mais aussi Saint-Erwan et Dremel, et même une petite marque un peu moins connue qui s'appelle Armen. Avec ces quatre marques, nous produisons plus de 6 millions de litres de bière. En tout cas, ça a été le cas en 2018. Et donc nous sommes la plus grosse, la plus importante brasserie de Bretagne, leader sur notre marché. Et pourtant, vous savez que sur le marché de la bière, il y a beaucoup de brasseries qui se créent. Il y en a une centaine en Bretagne aujourd'hui, dont quatre à Concarneau. Donc c'est une très grande dynamique. Et on a la chance d'être un petit peu le porte-étendard de toutes ces entreprises. L'entreprise a tellement grossi, je dirais, qu'elle a besoin de se délocaliser aujourd'hui. On vient de démarrer la construction d'une nouvelle brasserie à Concarneau, sur un terrain un petit peu plus vaste que celui qu'on occupe aujourd'hui. Un petit terrain de 20 000 m² sur lequel on va mettre 7 500 m² de bâtiment, qui va nous permettre de continuer à accompagner la croissance de l'entreprise, qui est de l'ordre de 20% par an, donc ce qui est beaucoup dans nos métiers, en particulier sur l'agroalimentaire. Et c'est vrai que le marché de la bière est un marché extrêmement dynamique et nos bières se portent bien. N'en brisez pas une bouteille pour autant, ce serait dommage. comme le disait Nicolas tout à l'heure, on a eu la chance d'être retenu pour être présent à la buvette de l'Assemblée nationale à Paris, ce qui prouve que, alors d'abord, les députés ont rajeuni parce que ils boivent peut-être un petit peu moins d'alcool fort et un peu plus de bière. Ils sont comme les gens plus jeunes aujourd'hui, peut-être certains de vos enfants également. Et c'est vrai qu'on a la chance aussi de participer à beaucoup d'événements autour de la voile, par exemple. On parlait de la solitaire du Figaro, on parlait de la Transat AG2R, dans laquelle nos marques sont également présentes pour accompagner justement les marins dans ces efforts. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, on sera évidemment absolument ravis de vous accueillir à Concarneau pour vous présenter nos outils, notre façon de travailler, 48 personnes extrêmement engagées dans leur activité et puis peut-être boire une petite bière ensemble à la fin. Donc, merci à vous. Je vais donner la parole maintenant à Cyril. Ah, pardon. Monsieur Pierrieux, donc président de Morlaix Communauté, donc sur le territoire du Nord Finistère. Voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, moi je voudrais remercier Finistère 360 pour l'organisation de ce moment de partage, moment aussi qui va permettre de valoriser notre territoire au travers de la mer. C'est vrai que nous avons évidemment une grande capacité maritime liée à la longueur, à la formation de notre territoire. Il est bordé de mer sur trois côtés sur quatre, on va dire ça comme ça. Donc toute l'importance de cet aspect maritime. Donc je suis le président de Morlaix Communauté. Alors je m'appelle aussi, comme mon collègue de Concarneau, Pirioux. Alors c'est pas la mafia Pirioux, c'est tout simplement la mafia bretonne.
parce qu'à un moment, il faut savoir travailler en mode pour être aussi efficace. Vous dire aussi, donc, je suis le président d'une communauté de 65 000 habitants, dans laquelle nous avons une ville, une zone urbaine hein, de 25 000 habitants. Mais nous sommes aussi rassemblés autour d'un territoire, un bassin de vie, qui fait au bas mot 150 000 habitants. Donc une grande capacité à pouvoir accueillir, à pouvoir recevoir. Vous direz aussi que notre baie de Morlaix est bien sûr, comme toutes les baies de notre territoire, la plus belle au monde. Évidemment, avec la plus belle mer et la plus belle eau du territoire. C'est vrai que lorsque vous la survolez, vous croyez aux Caraïbes. Hein, vous pourrez voir les images tout à l'heure. Nous sommes donc, nous, tournés vers la Manche, avec comme site accueillant, on va dire, et entrée, la plus grande entrée maritime de notre territoire, qui est Roscoff. Hein, très souvent, nous citons notre baie maritime entre Carantec et Lokirec. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le territoire, ça ne se limite pas vraiment à Carantec et Lokirec, bien au-delà. Roscoff est vraiment l'entrée maritime de notre territoire. De Carantec, on descend jusqu'à Morlaix. Alors, Morlaix, c'est bien le port d'accueil hein, de cette baie de Morlaix. Avec des éléments d'attractivité très très forts au niveau de la ville de Morlaix. La ville de Morlaix aujourd'hui met en place un musée de France. Plus près dans le port, nous avons une ancienne manufacture des tabacs qui va recevoir des activités très très importantes et en termes d'attractivité va permettre de développer, on peut en être certain, le tourisme, un espace des sciences. Un espace culturel regroupant trois activités, une activité cinéma d'essai, une activité production d'art et de festival et une activité théâtrale. Donc tout cela devrait être en activité pour 2020. Donc à partir de 2020, on peut penser en effet que le port de Morlaix sera le centre d'attractivité de cette baie. Alors la baie de Morlaix, c'est pas simplement que du tourisme, bien au-delà, c'est aussi de l'économie et je suis accompagné pour cela par trois sociétés. Et Marina, Grain de Sel et Bord à Bord, qui prendront la parole tout à l'heure pour exprimer la volonté qu'ils ont de travailler sur ce territoire et expliquer aussi leur activité, qui est une activité très importante pour ces trois sociétés. Vous dire aussi que, évidemment, la baie de Morlaix, c'est aussi des sites remarquables. Le littoral, par lui-même, est un site remarquable, hein, de classé Natura 2000, avec toutes les obligations qui nous incombent. Mais aussi des sites maritimes, comme le château du Taureau, un monument de construction Vauban, hein, qui est quelque chose d'extraordinaire, hein, et qui est, on va dire, le point central de cette baie, avec, et vous le verrez aussi, l'Illouette, qui est un gîte d'accueil. Alors, si vous voulez venir passer quelques jours à l'Illouette, réservez. Alors, il y a un créneau d'ouverture d'une journée. Alors, soyez les premiers, parce que au bout de 2 heures, tout est rempli pour 2 ans. Donc voilà, un site très très attractif. Et pour faire plaisir à mon collègue qui m'accompagne, maire de Plouezoc, je n'oublierai certainement pas le cairn de Bernanès, donc un tumulus, qui aujourd'hui accueille plus de 40 000 personnes, sans pourtant une grande communication autour. Hein. C'est vrai que ça mérite plus, et je crois que si on est encore meilleur en communication, et je crois que ce moment-ci permet de favoriser la communication avec l'aide de chacun d'entre vous, nous pourrons attirer encore beaucoup plus de personnes sur ces différents sites et dans la baie de Morlaix. Donc, évidemment que la baie de Morlaix, c'est au travers de sa capacité maritime des sujets importants au niveau de l'ostréiculture, la pêche. C'est vrai que c'est un grand site ostréicole et je crois qu'on l'oublie trop souvent. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est un site aussi où nous avons des chantiers navals importants qui sont installés depuis déjà des années et qui fonctionnent très, très bien. Et nous avons, comme à Concarneau, la chance au mois de juin de recevoir 2 étapes de la solitaire du Figaro Urgo pendant une dizaine de jours. En fait, hein, ils seront installés sur Roscoff. L'étape est à Roscoff. Donc, un moment important d'attractivité aussi. Voilà, nous avons aussi évidemment des skippers de renom, hein, Armel Lequehache, Jérémy Bayou, qui seront aussi de la fête lors de la Figaro, j'imagine. Donc voilà, donc, alors si vous avez un intérêt, portez votre intérêt sur la baie de Morlaix et sur les sociétés qui vont maintenant vous présenter leur activité. On va le faire dans l'ordre alphabétique. Bord à bord. Henri Courtois, Bord à bord.
Bonjour à tous. Donc Henri Courtois, j'ai fondé la société Algue Service il y a à peu près 23 ans. Et la marque commerciale de nos produits, c'est Bord à Bord. Alors Bord à Bord, pourquoi ? Parce que justement, on se trouve au bout du Finistère, on est sur terre, on est en mer, on ne sait pas bien. En fait, nous, notre métier, c'est d'aller chercher les algues au moment des marées basses, c'est-à-dire lorsque vraiment l'estran est complètement découvert. Et on accède sur nos champs d'algues avec des petites embarcations, hein, qui sont des embarcations légères. Alors contrairement aux marins de renom, nous, notre métier, c'est de viser les cailloux pour aller s'échouer et récolter autour le temps de la marée. Voilà. Ensuite, on revient à notre local de Roscoff, hein, puisque la société était historiquement basée sur Roscoff. C'est quand même un des plus grands champs d'algues qui est sous nos fenêtres. Et on a un atelier qui est alimenté en eau de mer et qui nous permet de laver les algues, de retirer le sable, les cailloux, le coquillage, pour avoir un produit parfaitement consommable. Et donc on a des process 100% eau de mer qui nous permettent de stabiliser aussi l'algue en saumurant. Et derrière, on a aussi un troisième métier dans la société, c'est de transformer ces algues en produits alimentaires prêts à consommer. Hein. Donc nous, on est pratiquement un atelier dédié à la fabrication d'une série de 5 tartares d'algues, mais on fait aussi, dernièrement, on a lancé une mayonnaise aux algues qui a été primée lors du dernier Natexpo, on fait des moutardes, on fait des confits. Donc notre métier, c'est vraiment de trouver les clés d'entrée pour faire que l'algue soit consommée par un plus grand... un plus large public demain. Donc on a notre chef qui est à nos côtés, hein, qui concocte tout un tas de recettes, qui essaye plein de choses, et des fois on a un produit qui match et qui fait mouche, hein. Alors tous nos produits, toutes ces zones de récolte sont aussi tracées pour la qualité de l'eau, et ce qui nous permet d'avoir une gamme 100% biologique, y compris le cahier des charges sur les algues et tous les ingrédients qu'on va utiliser autour. Donc c'est un métier qui est vraiment respectueux de son environnement et qui trouve bien sa place justement au sortir de la baie de Morlaix, là sur la côte la plus exposée, la côte sauvage. Donc voilà, je vous invite à l'issue de ce discours de venir déguster les produits que j'ai amenés aujourd'hui. Voilà, je passe la parole à et Marina. Voilà. Franck. Écoutez, bonjour à tous, merci pour cette invitation, merci à Morlaix Communauté de nous avoir conviés à venir parler à Paris. Après cette conférence de presse, en fait, on largue les amarres et on va dans le Finistère, donc on va y aller, on part en voyage. Donc les marinas, en fait, c'est une... Alors déjà, quelques chiffres, en fait, l'océan, c'est 71% de la surface de la Terre. Et donc c'est vraiment quelque chose de très très important. La région Bretagne, c'est la troisième région de France en biotechnologie, et le département du Finistère, le premier département en biotechnologie marine. Donc Emarina, c'est une société que j'ai créée. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique. On parlait de centre de recherche. C'est vrai qu'il y a la station biologique de Roscoff. Moi, j'ai passé 15 ans au CNRS à travailler sur la physiologie de vers marins et notamment sur un vers marin qui n'est pas sous cette grande vague. Mais je ne sais pas si on peut passer les diapos. En fait, c'est un vers marin qui est, en fait, je suis sûr que vous le connaissez, en fait, c'est des petits tortillons qu'ils laissent en fait, sur la plage en vous baladant. En fait, en dessous, il y a un ver qui s'appelle Arenicola marina. Et c'est un ver qui est extrêmement intéressant pour deux raisons. C'est que moi, il m'a intéressé pour essayer de comprendre comment ce ver était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. À l'époque, ça n'intéressait personne. On me disait, mais les gens du CNRS n'ont pas autre chose à faire. Et finalement, en fait, en étudiant ce ver marin qui est ici représenté, en fait, on a trouvé cette molécule. Et cette molécule, en fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges. Cette molécule, c'est une molécule d'hémoglobine extracellulaire. Donc, vous voyez, elle n'est pas contenue dans des globules rouges. Et en fait, à partir de là, ce qu'on a trouvé, en fait, on a vu que l'arénicole est un donneur de sang universel. Et avec cette technologie, donc, on développe différentes applications. Ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une molécule d'hémoglobine en fait, extracellulaire, on est capable d'avoir du sang en poudre, de l'hémoglobine en poudre. Ici, vous avez l'équivalent, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, je ne vais pas si vite. Donc ici, vous avez en fait, encore une fois... Non, bon, c'est pas grave. Donc en fait, on est capable, donc allez-y, on va y arriver.
Et donc, cette molécule, en fait, on est capable de la lyophiliser, donc on est capable d'avoir du sang en poudre. Donc aujourd'hui, quand vous donnez votre sang, en fait, on peut le garder que 42 jours à 4 degrés Celsius. Donc c'est pour ça que l'établissement français du sang demande sans arrêt des donneurs, parce qu'on doit renouveler en permanence le stock de sang. Ici, en fait, ce produit, donc, il est en poudre. Aujourd'hui, on est capable d'avoir 5 ans de date de péremption à température ambiante. Donc on change complètement, en fait, le paradigme du don sanguin. Comment ça fonctionne? Donc le premier des produits, c'est Hemodelife. C'est un produit qui va arriver sur le marché cette année, en fait, dans la transplantation d'organes. Ici, vous avez le schéma, en fait, de ce qu'on appelle la bio-inspiration ou le biomimétisme. Regardez la nature pour en trouver des innovations. Je ferai un signe quand on change. Donc ici, voilà. Donc vous avez un aquarium, vous avez une arénicole en fait qui est dans un aquarium. En fait, là, ce que j'ai montré, c'est que l'arénicole respirait uniquement quand elle était sous l'eau. Quand elle était en fait à marée basse, elle arrête de respirer et en fait, elle vit avec son stock d'oxygène qu'elle a fixé sur ses molécules d'hémoglobine. En fait, juste un scoop, c'est que l'arénicole, c'est le champion du monde d'apnée. Il est capable d'arrêter de respirer pendant 6 heures, alors que Guillaume Néry, c'est 11 minutes. Et donc à partir de là, je vous ai représenté ce qui se passait dans la transplantation d'organes. Vous avez un greffon qui est connecté à la circulation, donc il est oxygéné par la circulation sanguine. Quand on le déconnecte, il va très vite mourir. Donc un cœur, c'est 4 heures entre le moment où on le déconnecte chez un donneur et au moment où on va le greffer chez un receveur. Et donc nous, avec cette technologie, on est capable de donner du temps aux chirurgiens et surtout des organes en meilleure qualité. Aujourd'hui, un véritable problème de santé publique. Aujourd'hui, il y a 24 000 personnes sur liste d'attente et en sachant qu'un greffon sur deux, en fait, va soit pas être greffé, soit va être rejeté en fait par le patient. Si on peut passer à la diapositive suivante, donc on voit la mise en œuvre du produit. Donc on change pas du tout en fait la techno en fait qui se passe en fait dans les blocs opératoires. On est juste complémentaire à tout ce qui existe en fait en transplantation d'organes. Suivante, s'il vous plaît. Donc ici la transplantation, donc c'est encore une fois, c'est aujourd'hui c'est à peu près 6 000 transplantations. Donc il y a une chute de la transplantation en 2018, mais c'est quelque chose qui est vraiment très. Je ne sais pas si vous avez des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, mais c'est terrible en fait. Ces personnes qui vont en dialyse 3 fois par semaine et c'est assez difficile à vivre en fait pour ces personnes-là. Ici vous avez en fait une manip, c'est une transplantation hépatique qui a été faite par un chirurgien rennais qui s'appelle Karim Boudjema. Vous avez un foie qui est conservé sans autre produit. Vous voyez la couleur. Non, s'il vous plaît, c'est un peu pénible et un peu difficile. Donc c'est un foie qui est conservé sans notre produit. Avec notre produit, le chirurgien nous dit même dans le bocal, ça fonctionne. Et en fait, on donne du temps au chirurgien et des organes en meilleure qualité. On peut passer à la diapositive suivante. On a réalisé aussi l'année dernière, en fait, une première mondiale, puisque c'était la seconde transplantation de visage qui a été réalisée par le professeur Lantieri, donc d'une personne dont on peut citer le nom, c'est Jérôme Hamon. Et en fait, Jérôme a été greffé en fait, avec Hemodelife. Un tissu, au lieu d'être conservé 4 heures aujourd'hui, il a réussi à conserver ce visage pendant 40 heures, donc ce qui lui a permis de faire cette transplantation. La diapositive suivante. Alors voilà Jérôme qui est venu en fait nous voir il y a quelques temps. Donc j'adore cette phrase, la vie est belle. Il était vraiment au bord de mourir et donc il a un nouveau visage. Ça fait 13 mois, il va très bien. Je l'ai encore vu encore cette semaine. Et c'est vraiment quelqu'un qui a plein de vie, même s'il est passé très très proche de la mort. On travaille également sur des pansements oxygénants. Donc diapositive suivante. On a montré qu'on était capable en fait d'améliorer la vitesse de cicatrisation. Alors pas n'importe quel type de plaie, ce qu'on appelle la plaie du diabétique. En fait, c'est des plaies qui se terminent mal généralement en amputation. Il y a une amputation toutes les 30 secondes liée au problème de diabète. Et on a montré que en greffant en fait ces molécules dans des pansements, on est capable d'augmenter considérablement la vitesse de cicatrisation. Diapositive suivante. Ce produit également est utilisé en fait comme des analogues, un analogue au globule rouge, puisque je vous disais que c'était un transporteur d'oxygène universel. Les premières applications que l'on vise, c'est la drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine qui ont des problèmes en fait au niveau de la forme de leur globule rouge. Et donc aujourd'hui, c'est la première des applications que l'on va développer à partir de ce produit. Donc vous voyez, ce produit, c'est vraiment une plateforme technologique. On peut la développer dans différentes applications. Et donc les applications sont énormes dans le domaine de la santé. Alors, diapositive suivante. Ça, je pense que ce qui en parle le mieux, c'est les chirurgiens qui utilisent le produit. Donc vous avez le professeur Carpentier qui a inventé le fameux cœur artificiel Carmat. Quand il nous a remis un prix récemment, il n'a pas parlé de son cœur artificiel. Il a dit qu'il y aura deux révolutions, en fait, qu'il y avait eu deux révolutions dans la transplantation, les immunosuppresseurs qui ont permis de greffer et le produit, en fait, Hemodelife, qui va leur donner du temps. Et Lantieri, le professeur Lantieri, qui a fait cette fameuse greffe du visage, dit en fait que maintenant il ne faudrait plus transplanter sans Hemodelife. Et c'est vraiment
nos ambassadeurs aujourd'hui, en fait, dans cette thématique qui est très, très importante pour la santé humaine. La dernière diapositive, c'est celle-là. Alors, tu parlais de l'Illouette. Donc, c'est dans la baie de Morlaix. C'est vraiment un endroit extrêmement intéressant et extrêmement vivant et puis surtout super pour y vivre. Mais j'aime bien la phrase qui est au-dessus. En fait, c'était Léonard de Vinci qui disait, en fait, scrute vers la nature, c'est là qu'est ton futur. Souvent, en fait, l'homme est arrogant. Il essaye d'inventer des choses qui n'existent pas. Il faut savoir que nous, on a récupéré dans les marinas donc cette arénicole, cette technologie qui est finalement quelque chose qui existait depuis 450 millions d'années. On a récupéré en fait 450 millions d'années de recherche et de développement qu'on n'a pas fait puisque c'est la nature qui l'a développé par nous-mêmes. Et je trouve que c'est extrêmement important. Le message qu'on doit faire passer ici, c'est aussi protégeons nos littorales, protégeons la biodiversité. La biodiversité, c'est comme une bibliothèque. C'est-à-dire qu'une bibliothèque, imaginez-vous, vous êtes dans un manoir, il fait froid, vous avez une bibliothèque derrière plein de bouquins, vous allez brûler un bouquin parce que ça va vous donner un peu de chaleur pendant un moment, puis un deuxième, puis un troisième, puis plus de bouquins en fait, dans la bibliothèque, puis finalement vous allez brûler la bibliothèque et finalement vous n'avez plus rien. Et puis finalement, vous avez froid. Et donc, est-ce que finalement, l'intérêt de ça, c'était de brûler les livres ou de lire ce qu'il y avait à l'intérieur? Et la biodiversité, c'est ça, protégeons-la, parce qu'il y a des innovations majeures pour la santé publique et protégeons la nature au lieu de la détruire. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. J'ai un slide, moi ça va aller. bon voilà, donc le projet Grand Sail, en fait, c'est un couplage entre deux structures. La première, donc Grand Sail ESS, qui vise en fait à produire des cafés et des chocolats biologiques, hein, donc à Morlaix notamment, avec des quantités qui ont évolué. La création, c'était en 2013. Et pour vous donner quelques chiffres, donc en 2018, on a vendu à peu près plus d'un million de tablettes quand même, donc 110 tonnes de chocolat, qui sont commercialisées dans 450 points de vente dans le Grand Ouest. Et là, on est quasiment aux portes de Paris, donc c'est aussi pour ça que j'étais content de venir. Et je remercie d'ailleurs l'organisation et Morlaix Communauté de nous avoir invités. Et donc... ce couplage, donc c'est entre cette activité de transformation agroalimentaire et un armement maritime donc décarboné, donc qui va exploiter à partir de mars 2020 donc un voilier cargo de 22 mètres qui est neuf, hein, qui est vraiment conçu spécifiquement pour ça et qui est donc porté par la société Grand Sail Shipping cette fois-ci, donc qui est vraiment un armement au sens marine marchande, hein, du terme, donc un armement pro. Et qui va nous permettre en totale autonomie de pouvoir à la fois rapatrier des matières premières d'Amérique centrale, donc du café et majoritairement quand même du cacao. Et dans l'autre sens, au départ de Morlaix, du coup, de pouvoir exporter, pour que le bateau parte pas vide, évidemment, donc de pouvoir exporter des produits français, et notamment des vins, vers New York. Et donc cette boucle, le Morlaix-Morlaix, en passant par New York, l'Amérique centrale, Sud-Assur et puis Morlaix, donc fait environ 3 mois. Et donc ça, on le fait 2 fois par an. Voilà, donc finalement, le projet Grand Sail, c'est ce qu'on voulait dès le début, c'est pouvoir finalement... consommer des produits, donc autant en France avec les tablettes Grand Sail et les chocolats, et les cafés, pardon, mais aussi pour les Américains qui vont du coup pouvoir déguster des vins français bio de très bonne qualité, de pouvoir le faire sans pour autant le faire sur l'eau de la planète avec un bilan carbone qui est du coup fortement optimisé sur le segment maritime transatlantique. Donc voilà, Grand Sail, c'est tout ça en même temps. Et on veut, et ça a été vu dès le début quand on a créé la société, on voulait maîtriser du sourcing, donc des produits, donc les vins en France, mais du coup également les cacaos et les cafés en Amérique centrale, donc du sourcing en passant par le transport maritime et jusqu'à la commercialisation. Donc typiquement sur New York, on maîtrise également la commercialisation nous-mêmes. Donc on n'est pas que transporteur, évidemment. On veut également maîtriser la manière dont les produits sont diffusés. Et donc au-delà de ça, donc la finalité du projet Grand Sail, donc c'est ce qu'on avait déjà imaginé en 2010, c'est qu'on souhaite donc développer un réseau de transformation, donc de torréfaction et de chocolaterie, donc au niveau à la fois européen et donc sur les côtes est des États-Unis, donc en commençant par New York notamment, et le tout couplé à une flotte de voiliers cargo de taille croissante. Donc on va d'ailleurs démarrer le design de Grand Sail 2, qui sera le prochain voilier cargo en fait de Grand Sail, qui sera donc un peu plus grand que le premier, et donc qui va du coup progressivement, cette flotte pourra alimenter de manière mutualisée l'ensemble des sites de production. Donc c'est aussi un moyen de, comme on dit parfois en interne, l'Atlantique du coup devient un petit peu notre terrain de jeu. Hein. C'est ça qui va permettre de créer le lien entre les côtes finalement européennes et américaines avec un vrai commerce, hein,
mais un commerce qui, du coup, a un bilan carbone fortement optimisé sur ce segment. On est vraiment sur un vrai voilier, de loin d'ailleurs, ça peut ressembler à un voilier de plaisance, hein, mais sauf que il porte quand même 35 tonnes de charge, donc c'est une cale flottante, hein, ça a vraiment été fait pour ça. C'est un voilier neuf, évidemment, conception très moderne, avec une instrumentation classique que vous allez retrouver dans un cargo. Hein, on est contraint par la norme, hein, la D211 et la D222. Donc voilà, on est sur un bel objet également, on y tient beaucoup, et donc le développement se fait assez rapidement. Les premières tablettes étaient en rayon il y a même pas 3 ans, et là donc on a une croissance assez rapide, et on sera bientôt même en région parisienne, donc c'est bien. Et on a besoin de ça, et c'est pour ça que j'étais très content de venir aujourd'hui, parce que c'est un projet qui sort un petit peu du bois aussi, hein. On n'a pas voulu communiquer sur le volet maritime tant que le contrat n'était pas signé. Donc là, je précise, hein, le voilier est vraiment en construction, donc chez Alumarine à Couëron dans le 44. Hein. Il nous est livré au mois de novembre, donc après on va jouer avec pendant 2-3 mois comme pour vérifier que tout va bien. On va le tester, et donc le premier départ est prévu à la mi-mars 2020, Morlaix, New York, et puis là c'est parti, quoi. Voilà, merci. On va passer donc à Quimper, Bretagne occidentale, avec donc la première intervention de Laurent Bruchon, qui est directeur de l'économie au sein de l'agglomération quimperoise. À toi, Laurent. Merci. Oui, donc moi je vais vous présenter Quimper, Bretagne occidentale. Donc c'est un territoire énergisant, un territoire d'entrepreneurs et d'innovation, notamment dans les industries des énergies marines. Donc avec notamment, on a demandé à 2 entreprises de venir, donc Sabella sur les hydroliennes. On peut dire qu'on est un territoire d'énergie tout court, puisqu'on a notamment le groupe Bolloré, hein, qui est parti de Quimper, Bretagne occidentale, d'Hergé Gabéric plus exactement, et d'autres start-up comme Entech sur la conversion d'énergie. On est aussi un territoire capital French Tech. On vient d'être renouvelé là par le ministère, donc en lien avec Morlaix, Lannion et Brest. Donc on est très heureux aussi de pouvoir. C'est une reconnaissance pour nos startups, et c'est pour ça qu'on a amené aussi avec nous Tom Marsal, donc de Sportriser, qui est une plateforme pour les activités outdoor et indoor. Ils vous présenteront ça un peu plus tard. Donc on est aussi un territoire agroalimentaire. Alors l'agroalimentaire, c'est aussi lié avec la mer. On a des conserveries aussi. On a la seule usine française Saupiquet qui est à Quimper avec son centre de recherche. Tout à l'heure, on a parlé de la laiterie Le Gall. On a aussi Mer Alliance qui fait partie du groupe Thai Union avec Petit Navire, qui est aussi à Quimper et sur le saumon. On a aussi des centres techniques parce que pour le bien manger aussi et pour la sécurité alimentaire, hein, notamment aussi des produits de la mer, on a l'ADRIA aujourd'hui, qui est un centre reconnu au niveau de la sécurité alimentaire au niveau national. Et on vient d'avoir l'implantation du CEATech, donc qui va être une plateforme de transfert de technologie à vocation nationale pour l'ensemble de l'agri-agro et aussi les produits de la mer. Donc un territoire dynamique, un territoire, alors Quimper, Bretagne occidentale, c'est 100 000 habitants, c'est la troisième ville de Bretagne, c'est la préfecture du Finistère et la capitale de la Cornouaille, c'est près de 10 000 entreprises, 60 000 emplois. Donc c'est un territoire où il fait bon vivre, où vraiment à taille humaine, hein, on a tous les équipements. Mais on est une ville, souvent on dit que rien ne. Enfin, on doit être dans les métropoles, mais je pense que les villes moyennes ont aussi leurs atouts, du dynamisme, de la proximité et des structures à taille humaine. Donc c'est important. Un territoire aussi, un haut lieu culturel. Donc on est, je dirais, un concentré de Bretagne à forte identité, hein, avec. On a le Festival de Cornouailles. Qui est là depuis de nombreuses années. On peut dire notre office de tourisme se définit souvent comme la capitale de la culture bretonne, notamment avec aussi des brodeurs comme Pascal Jaouen. Enfin, toute une identité forte en matière culturelle. Un haut lieu aussi du tourisme. On est la deuxième destination touristique de Bretagne derrière Saint-Malo. On est un haut lieu aussi du patrimoine, hein, avec la cathédrale et puis aussi notre label des Quatre Fleurs.
Je dirais qu'en conclusion, on a une forte identité culturelle, un territoire d'entreprise et d'entrepreneurs, un territoire aussi d'innovation avec la French Tech et nos start-up, un territoire à taille humaine où il fait bon vivre, tout cela à proximité de la mer. Donc tous les ingrédients pour être un territoire énergisant, attractif, entreprenant. Donc un territoire à découvrir et qui mérite de s'y attarder. Maintenant, je vais vous laisser la parole aux deux entreprises innovantes de notre territoire, deux exemples intéressants qui vont, je suppose, vous intéresser. Bonjour à tous. Donc Sabella, alors je pourrais surfer un petit peu sur Emarina. Sabella est un autre ver marin qui ne capte pas de l'oxygène quant à lui, mais qui capte du plancton dans les courants marins. Et dans notre imaginaire, une sabelle, Sabella en latin, s'apparente un tout petit peu à ce qui pourrait être une hydrolienne avec des rayons. Voilà. Plutôt qu'un long discours, il y a un petit film corporate, si vous pouvez l'envoyer. Ce sera plus simple et plus explicatif. On se qualifie aussi de brasseur d'eau de mer, donc désolé pour Brit, un peu plus de volume, mais excusez-nous. C'est sans doute meilleur, absolument. On va le faire sans image. Si. Allez, c'est parti. Voilà, donc une société qui a été créée en 2008, donc un petit historique. On est aujourd'hui référent donc, dans l'hydrolien, au moins en France, après la disparition de grands acteurs comme Alstom ou Naval Energy. On fait partie d'un ce qu'on appelle un Big Four à l'international, donc trois ou quatre acteurs qui font émerger un peu le sujet. C'est une grosse vingtaine d'ingénieurs donc, qui sont basés à Quimper et qui développent donc, ces technologies de captage hein, d'énergie dans les courants marins. J'évoquais la rupture ou l'abandon en tout cas de ces technologies par des grands noms. Aujourd'hui, on est dans un positionnement stratégique qui est différent d'eux et donc sans doute plus successful parce que on n'attend pas des grands parcs commerciaux à court terme, mais plutôt s'attaquer à un marché de niche à l'international que sont les EDNI. Donc notre terrain de jeu, c'est ce que vous voyez là, c'est les îles, les territoires insulaires ou les littoraux non raccordés. Pourquoi ? Parce que le modèle énergétique est à base de fuel et de groupes électrogènes, horriblement cher. Si je prends l'exemple de Wesson, c'est 10 fois le prix de l'énergie sur le continent. Voilà, et c'est à peu près partout pareil dans le monde. Et donc on focalise nous sur ces réseaux non interconnectés ou des technologies qui ne sont pas encore complètement matures et qui sont donc onéreuses parce que construites à l'unité peuvent trouver une première compétitivité. Donc vous voyez ici la construction de la machine D10 qui fonctionne à Wesson. Alors, elle fonctionne entre guillemets puisqu'elle a été relevée ce matin pour un petit retour au stand de quelques mois pour quelques réglages et puis elle va repartir sur Wesson pour produire. C'est la seule machine en France qui ait produit de l'électricité ou des électrons d'origine marine sur le réseau national. Voilà, donc c'est une technologie qui est issue de l'offshore pétrolier. On a compris dans ce monde pétrolier que ce qui travaille bien en sous-marin, c'est les choses qui sont les plus simples. Pourquoi ? Parce qu'il faut développer une fiabilité ultime et extrême, parce que par 50 mètres de profondeur, je ne sais pas maintenir une machine électrique au fond. Hein. Donc, l'hydrolien s'apparente un peu au spatial. Quand je vois un satellite dans l'espace ou une hydrolienne par 50 mètres de profondeur, je sais que je ne pourrais plus intervenir en maintenance dessus ou qu'une intervention coûte relativement cher. C'est une machine qui est modulaire, comme vous pouvez le voir ici, donc je ne rentrerai pas dans la technique. C'est une machine donc, aussi au sein de D10 qui fait 1 MW de puissance. Et sur le cas de Wesson, on est en train de faire évoluer cette île donc, comme vitrine de la transition énergétique, puisqu'elle va passer d'un modèle aujourd'hui qui est 100% fossile à un modèle en 2022 qui sera à 70% à base d'énergie renouvelable, avec deux machines plus grosses que celle-ci, de D12, et puis un petit peu d'éolien, un petit peu de solaire. On travaille bien sûr beaucoup à l'international, Asie, Philippines, Indonésie, 23 000 îles, donc bien évidemment c'est là aussi un terrain de jeu potentiel, mais également le Grand Nord canadien ou le Chili, donc les quatre coins de la planète où les océans proposent donc, des sites de grande vélocité de courant. Et puis demain, si la PPE le veut bien, marché domestique, hein, donc PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, un site industriel à Brest sur le polder, donc la région Bretagne a investi sur un terminal énergie marine avec donc cette usine
en perspective. Voilà, merci. Bonjour à tous. Déjà, merci à Quimper Bretagne Occidentale de me permettre d'être présent ici aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter Sportriser. Je suis un des trois cofondateurs de la start-up. Sportriser, c'est un site internet sur lequel on va référencer toutes les activités de plein air qui existent et, certaines activités indoor aussi. Aujourd'hui, le sujet autour de la mer, on a énormément d'activités nautiques et côtières sur la zone du Finistère. C'est une côte très découpée qui est magnifique. Donc mon travail avec Sportriser, c'est de vous aider à avoir un visu de toutes les activités qui peuvent se faire et se pratiquer sur votre zone de vacances, sur vos moments de loisirs, dans tout le Finistère et dans toute la Bretagne. Et maintenant, on est en train de s'ouvrir sur toute la France et bientôt sur l'Europe. Une fois que je vous ai montré les activités qui existent, je vous propose des places qui sont vraiment disponibles. Donc quand vous achetez une place, vous avez votre calendrier de réservation. Et vous n'avez plus rien à faire après. C'est très différent des modèles Smartbox qui existent sur ce marché, où en fait vous achetez une mise en relation. Et vous allez devoir passer des coups de téléphone, des emails, etc. pour vous organiser. Avec Sportriser, vous achetez une place qui est vraiment disponible. Et comme on a des places qui sont disponibles, eh ben on aide les prestataires de services, qui sont les écoles de surf, de voile, de plongée, à finir de remplir leur groupe, en copiant le modèle yield management que font les avions, les hôtels, pour les aider à optimiser leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est en train de préparer l'intégration d'une intelligence artificielle au niveau de la météo, toujours pour prémâcher le travail, aider les gens à faire le bon choix et les amener à une expérience utilisateur optimale pour pratiquer des activités sur les zones touristiques. Je vous remercie de votre attention. On va terminer avec Bresmode, Madame Bernard. Par rapport à une actualité d'un partenariat qui vient d'être fait entre l'agence Finistère 360 et la marque Tout commence en Finistère et Bresmode qui va nous raconter cette belle histoire. Merci. Merci à vous de nous avoir invités. Donc l'économie de la mer, c'est aussi le vêtement du marin. Donc Bresmode, c'est la mise en valeur d'un patrimoine, d'un savoir-faire dans l'industrie du textile lié à l'origine aux habits de marins, donc pull marin, marinière, etc. Donc je me présente, je suis Christine Bernard, je suis responsable du développement textile pour les centres Leclerc de Bretagne. Donc les centres Leclerc, nous sommes des PME indépendantes, regroupés en coopérative. Donc à ce titre, je suis responsable au niveau de la coopérative régionale du développement du textile. Et en 2014, avec deux collègues, nous nous sommes interrogés sur les délocalisations, ce que nous vendions en produits identitaires bretons. Et en fait, on s'est interrogé pour savoir s'il existait encore des marinières fabriquées en Bretagne. Puisque je pense que beaucoup d'entre vous le savent, depuis la chute des quotas chinois en 2000, beaucoup d'entreprises ont délocalisé et c'est très difficile aujourd'hui de trouver des produits fabriqués en France. Donc, ayant pris notre petit bâton de pèlerin, nous avons sillonné la Bretagne. Et nous avons trouvé encore quelques ateliers qui ont un savoir-faire depuis plusieurs générations. Et l'idée donc est venue de créer notre propre marque, donc Bresmode, pour donner du travail à ces ateliers et mettre en valeur leur savoir-faire avec une seule marque Ombrelle et en leur apportant aussi non seulement notre réseau de distribution, mais également une styliste qui est morlaisienne, Leanne Sévenot, et une chargée de communication digitale qui est costa-armoricaine, Maïwenn Nicolas. Donc cette année, Tout commence en Finistère a fait appel à nous pour développer une petite ligne de produits suite à un concours de dessin qui a eu lieu l'an dernier. Nous avons donc... En nous inspirant du dessin de la lauréate,
Madame Lavergne, réaliser une petite ligne de produits que je vous inviterai à découvrir tout à l'heure sur notre stand. Voilà, donc tous les produits de cette capsule Braise-Mode, tout commence en Finistère, sont réalisés, fabriqués, tricotés, cousus, brodés en France et en grande partie en Bretagne. Donc je vous en donnerai les détails tout à l'heure en espérant vous voir. Voilà. Et nous avons apporté également quelques petits marinières et t-shirts pour que vous puissiez avoir un souvenir. Voilà, est-ce que j'ai tout dit, je pense? Je vous remercie beaucoup. Merci. Donc, pour les questions très spécifiques, donc je vous inviterai à retrouver les différents acteurs qui sont présents. S'il y a des questions plus générales, c'est le moment. Oui. Alors, chaque territoire a évidemment des stratégies de se positionner par rapport à des investissements ou des accompagnements de projets privés et autres, mais il existe au sein du Finistère un club affaires qui est représenté ici d'ailleurs par Françoise Canvet, qui s'occupe à la fois de la prospection au national de toutes les activités de rencontres professionnelles et qui s'occupe aussi d'un travail sur la mise en valeur et la promotion des différents sites d'activité, que ce soit parce que le marché du tourisme d'affaires est un marché quand même relativement différent entre ce qui est petit séminaire ou ce qui est grand congrès. Ce n'est pas les mêmes structures d'accueil, ce n'est pas les mêmes attentes et autres. Donc on est structuré par type de segmentation. Et donc il y a un travail qui est fait d'accompagnement, de promotion, de prospection et de mise en valeur, avec des opérations qui sont des opérations comme par exemple Françoise revient d'une opération à Cannes pour vendre donc le tourisme d'affaires et puis la valorisation donc des différents sites. Donc voilà. Donc Françoise est juste derrière et elle pourra répondre à vous. Le tourisme d'affaires est un secteur qui est en progression chez nous, avec souvent encore un gros travail à faire pour connaître et faire découvrir la destination, parce que ce n'est pas une destination naturelle pour les grands comptes de venir faire leurs opérations en Finistère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent? Oui, juste une réponse par rapport à monsieur. Donc à Quimper, on a développé le tourisme d'affaires récemment, puisqu'on a développé un nouveau centre de congrès qui a ouvert il y a 2 ans. Et donc on a toute une politique de développement. On a aussi un parc des expositions qui a été totalement rénové. Donc pour nous, le tourisme d'affaires est vraiment un axe stratégique. Merci. Donc oui, votre question était par rapport à est-ce que c'est une opération ponctuelle ou voilà. Non, c'est une opération qui s'inscrit dans une stratégie plus globale et pluriannuelle qui est autour évidemment de l'attractivité globale du Finistère, avec le souhait d'avoir une approche qui soit une approche transversale, comme vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autour du maritime. Et on a donc un travail qui va passer et qui va se thématiser mois par mois, année après année, par rapport à différentes filières. L'année prochaine, on va travailler sur des thématiques qui seront autour de l'agri, l'agroalimentaire. On a imaginé aussi de travailler sur différentes thématiques de cette manière-là, avec des prises de parole mensuelles et des opérations qui sont des opérations à l'occasion de différentes opérations. Donc ça va être par exemple lors du salon nautique de faire une opération près sur la vitalité de la filière nautique. À l'occasion de tel ou tel autre salon, nous allons avoir par exemple une opération qui s'appelle l'Amérique XXL qui va avoir lieu à Nantes fin juin, début juillet, qui se veut une exposition universelle autour de la mer, et nous y serons présents et nous présenterons aussi les différents éléments. Donc non, ça s'inscrit vraiment dans un travail à moyen terme et avec un déploiement d'activités qui font la richesse évidemment du Finistère. Voilà, avec des enjeux pour nous qui sont des enjeux évidemment d'attractivité touristique, économique et résidentielle, avec des enjeux de valoriser nos différentes filières
et des enjeux aussi forts de métiers en tension, comme dans beaucoup de secteurs, il y a des difficultés à trouver des personnels pour beaucoup d'activités. Donc il y a un enjeu pour nous de valorisation du territoire pour attirer les talents. D'autres questions ? Oui ? Ah ah, ok. J'ai vraiment un souci avec ce micro depuis le début de la matinée. D'autres questions ? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à voir avec les uns et les autres. Et encore merci pour votre venue.